Mais d'abord, votre rendez-vous ici maintenant nous emmène à la rencontre d'une association qui prône le vivre ensemble en créant des appartements partagés. Camille Bossard, Romain Fiorucci, on se retrouve juste après. Nous sommes dans le 4e arrondissement de Marseille, quartier des Chartreux. Voici l'immeuble La Calanque, dessiné par Jean Nouvel. Au 4e et 5e étage vont vivre ici des personnes handicapées et des personnes valides. C'est le projet de l'association Simon de Sirène. Et aujourd'hui, Sylviane et Mathieu vont découvrir leur futur logement. Bonjour, Simon de Sirène. La salle commune. Alors. Oh là là, mais que t'es beau. Je pourrais venir boire mon café le matin. Tous les matins, ton petit déjeuner, tu pourras le prendre ici avec les autres. Alors voilà, c'est un studio. Vous vous imaginez déjà un peu comment vous allez être là? Et regardez là, il y a pour mettre le lit. Sylviane a eu un accident vasculaire cérébral il y a plus de 10 ans. Après de longues années à l'hôpital, c'est son fils qui s'est occupé d'elle. Sylviane, alors, première journée dans votre futur appartement? Ah oui, oui, j'avais plus de vie, ça fait 16 ans que j'étais à l'hôpital, n'est-ce pas? Maintenant, j'avais plus de vie, maintenant, oui, avec ça, je revis ma vie. Et ta chambre, elle va être à côté, dans un des studios qui est à côté. Ça va être fantastique! Chacun a sa chambre, hein, c'est ça? Oui. Chacun a sa chambre, oui. Sa cuisine et sa kitchenette, comment oui, ça se oui, passe? Le principe, c'est que chaque personne qui habite ici, qu'elle soit valide ou handicapée, a son petit studio. Pour être chez soi, mais sans être seul. Tout simplement. Ah, c'est exactement ça. C'est ça, voilà, je ne serai plus jamais seul. Mathieu a eu une lésion cérébrale peu après sa naissance. Oh, ce sera son premier logement seul. Mathieu, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce logement ici? Ben, je suis assez impressionné par les espaces, les grands espaces prévus pour nous. Donc, c'est à la fois... grand pour vivre seul et donc c'est agréable. Il y a de l'eau chaude. Qu'est-ce qui va changer pour toi ce lieu ici? Ouais, de savoir que les repas sont faits, il n'y a pas trop à se préoccuper de la logistique. J'ai vécu en résidence universitaire, je me suis aperçu que gérer les repas c'était pas possible. Et donc j'avais un peu de fierté, je voulais pas faire appel au service de livraison de repas. Et donc, là, c'est le bon compromis, puisqu'il y a la vie fraternelle et les repas sont faits. Et puis, ça crée de la cohésion, le fait de faire la cuisine. Bénédicte, vous allez vivre aussi ici. Quel va être votre rôle un petit peu? Alors, ma mission d'assistante de vie interne, c'est d'accompagner les personnes dans leur quotidien. De les aider pour les actes essentiels de la vie quotidienne, donc les lever, les coucher, les repas. C'est un projet de vie en interne, c'est un choix. Et qu'est-ce qui vous motive là-dedans justement? Je pense que je vais apprendre beaucoup de ces personnes. Je pense qu'on est dans une société où on nous demande d'être un peu dans la performance, dans la rapidité, l'efficacité. Et pour moi, ça a du sens de mettre en valeur la vulnérabilité, la fragilité, surtout qu'on en a tous, en fait. Donc, pour moi, ça a du sens, ouais. Ah oui! Danser! Ah oui! Je préfère celui-là. Comment fonctionnez-vous financièrement? Chacun paie son loyer? Effectivement, les personnes accueillies payent un petit loyer, une petite contribution pour les repas et pour tout ce qui est vie commune. Et en même temps, toute la partie d'aide humaine, tout l'accompagnement qui est proposé au quotidien pour les personnes qui vivent avec un handicap, c'est dans le cadre d'un partenariat, d'une convention avec le conseil départemental. Ça ressemble à une calanque? Un petit peu. De loin. Alors au total, il y aura 7 personnes accueillies pour 2 assistantes de vie interne, 2 services civiques et un responsable d'appartement. Et ça, sur 3 maisons. Donc 7 personnes handicapées, 5 personnes dites valides. Voilà, c'est ça. Ok, qui vont vivre ensemble, donc chacun dans son studio, mais avec ses moments de partage hein, dans les grandes salles. C'est ça, tout à fait. Aujourd'hui, tu vis avec tes parents, c'est ça? Tu es à Salon de Provence? Oui, je vis toujours avec mes parents, puisque pour pallier aux difficultés matérielles, justement, et puis pour pallier aussi la solitude qui arrive vite, en étant...
handicapé, on est souvent isolé du monde. Et là, c'est un habitat inclusif. On est avec des personnes valides et ça permet de réaliser ses rêves et de voir un peu plus loin que la première embouche qui se présente assez vite. L'accompagnement sera constant puisque des temps d'échange ont lieu régulièrement entre une trentaine de personnes handicapées et valides de l'association. Ses amis se retrouvent pour partager un déjeuner ou une promenade et tissent des liens forts. J'ai retrouvé des gens qui savent ce que j'ai. Donc ils savent ce que j'ai besoin, qu'ils me disent. S'ils n'arrivent pas à trouver un mot, ils savent qu'il faut me trouver le mot. Il y a toujours quelqu'un qui sait me dire qu'est-ce que c'est qui va pas, parce que j'ai quelque chose qui va pas, et ça va très bien après. D'ici un mois, les premiers locataires habiteront les appartements. Un premier pas vers l'autonomie pour se sentir davantage intégré. Ce qui est important, c'est de se sentir vraiment dans la ville, d'être inclus, de ne pas rester dans notre coin, mais au contraire, de voir ce qui se passe, de rencontrer du monde. Et c'est ce qui nous conduit à ouvrir ces 3 appartements partagés dans une résidence avec plus de 500 autres voisins qui seront monsieur et madame tout le monde et avec qui peut-être qu'on pourra partager des choses. Au total, 36 appartements partagés ouvriront fin janvier. De nombreuses places sont encore disponibles pour un petit pas vers une société plus mélangée.